À partir de quand c'est trompé pour vous ? Quand tu regardes une autre meuf en mode ambigu. Tu as une discussion, genre quand ça va un peu plus loin que du salut ça va. Vas-y, minimum, on va dire plaire à une autre personne. Mais on peut dire genre en mode parler avec une autre personne pour une éventuelle relation. Genre tu sais qu'il va y avoir quelque chose, tu vas pas. Ouais, voilà. Tu sais derrière, il y a quelque chose. Ouais. Bisous, message et tout en vrai. Message ambigu et tout ou pas ? Ouais. Ah, salut, ça va, c'est ouais. Trompé, hein, mais qu'elle quand connaît ambigu, pas. C'est... Quand c'est ambigu, c'est que c'est trompé. En fait, c'est une limite qu'il faut mettre dès le début de la relation. Genre, si c'est un bisou, un câlin, ou. Ça dépend. Toi, c'est un bisou, un câlin plutôt pour toi. Ouais. Par l'acte. Si par contre, s'il passe par l'acte, là, elle me trompe. Si elle est écrit à un mec, elle te trompe pour toi. Non, même pas. Si elle écrit à un mec, c'est rien. Il parle à une autre meuf. Même parler comme ça et tout. Ah ouais. Ah ben, genre en mode pas parler en mode pote, genre parler en mode ambigu et tout, on sait que c'est bizarre. Genre qui commence à flirter ensemble, enfin. Ouais, que genre il sait qu'il va y avoir une ambiguïté. Ouais, qui s'intéresse et tout, ouais. Ouais, ça c'est bizarre. Ou qui commence à parler même plus qu'à une autre qu'à toi et tout. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Un regard, ça peut être trompé. Ah ouais, un regard et tout, genre il y a une fille et tout. Non, quand tu penses à une autre personne en mode. Genre quand tu penses ambigu avec la personne, c'est que c'est trompé. Genre il regarde une autre personne, il se dit, ah, je pourrais me la taper et tout, ça c'est. Ouais, ça c'est trompé, ça. Ça c'est. Tu pardonnes ou pas, toi ? Non. Non, tu pardonnes pas, c'est direct. Discussion. Discussion. Ouais, et flirt, genre discussion, ouais, comment tu vas, etc. Ouais. Et flirt, c'est quoi ? C'est aller capter la personne ou c'est vraiment discuter bien ? Discuter non, par exemple, il y a une meuf, elle le DM et que lui répond, c'est bon. C'est bizarre et tout, et tu next ou tu pardonnes quand même ? Ça dépend. C'est qui ? Et si il dit genre juste salut, ça va, une fille, mais il la connaît pas pour toi, c'est trompé ou pas ? C'est pas trompé, mais il va à la limite. Genre, je suis pas trop pour, ouais. Mais tu lui pardonnerais ou pas quand même ? Je vais être un peu difficile. T'auras du mal. Ouais. Quand il y a contact physique. Mais un contact physique, ouais. Pas avant et tout ? Pas avant. Pas les messages, elle va le capter. Si, les messages, mais après ça dépend. Ça veut dire que si tu connais la personne en question et qu'il screen les messages à qui ta meuf elle envoie à ton pote, c'est possible. Après, il y a relation ambiguë, t'as vu, entre potes, après, je trouve ça bizarre, tu vois. J'avoue, tu vas pas pardonner. Ouais, je vais pas pardonner. Ton pote et tout, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Mais si par exemple, il y a des gens que je connais pas, ben, je peux pardonner, mais je vais reculer. Tu l'aimes vraiment et tout, quand même et tout. Voilà. Vu que moi, je suis chrétien, c'est normal aussi de pardonner. Hein. Et toi, tu pardonnes ou pas ça ? Non. Non. Ah non, mais moi je m'en fous. Du moment où tu viens, tu fais un truc comme ça, c'est impardonnable. Parce que en mode, tu peux. Ça veut dire s'il vient, il le fait une fois, c'est qu'il peut recommencer plusieurs fois. Ah, même regarder juste un regard, même pas parler et tout. Bah, si, quand le mec il pense à autre chose, c'est que. Ah ouais. Pour toi, c'est ça. Et toi ? Moi, je pense que c'est à partir du moment où la personne a commencé à parler avec quelqu'un et tout. Non, en mode, imagine, la meuf en question, elle a déjà ses potes avant, c'est pas trompé. Mais si t'es en couple avec la meuf et qu'elle commence à parler à d'autres gars, ouais, c'est trompé. Ah, des nouveaux gars là, c'est bizarre et ouais, tout. Bizarre, ouais, bizarre, bizarre. Faut qu'elle ait des potes avant. Donc voilà. Ouais. D'accord, et toi ? Ah non plus, je suis comme elle. Hein. Moi, juste un regard, c'est trompé. Jaloux et tout. Ah oui, vraiment possessif. Parler à une autre. Parler à une autre, c'est une tromperie pour toi et tout direct. Non. Parler à une autre et sortir avec une autre. Ah ouais, aller la voir et tout. Oui, bah, voilà. Même s'il n'y a rien et tout. Le petit garçon me dit. Ah, ouais. Ouais, quand même. Ouais, ça va. Non, moi, je laisse quand même. Je suis pas trop. Je suis moins possessif. Enfin, je laisse. Oui. T'as plus de liberté que nous, les filles, souvent. Ouais. Et tout, ouais. Enfin, moi, j'aimerais bien quand même avoir de la liberté. De la liberté de pouvoir parler au. Mais toi, c'est à partir de quoi du coup que c'est trompé ? À partir du moment qu'il dit. Enfin, qu'il raconte pas comme quoi il est avec quelqu'un ou quoi. Et pour moi, c'est à partir de. T'es ambigu avec une autre personne, avec une meuf, ouais. Dès que c'est ambigu avec une meuf, c'est tout. Ouais. Et surtout quand t'es pas au courant, tu sais, genre tu lui poses des questions. Ouais. Et qu'il bégaye un petit peu. Ouais. Et tout, C'est juste comme ça, mais si ça se passe quelque chose ambigu, soit si ça se passe quelque chose de plus là. Directement. Là, c'est trompé. Et tu pardonnes ou pas ? Ou t'as jamais pardonné ? Ah, ça dépend. Si vraiment c'est mon meilleur poteau, je peux pas pardonner. Amoureux ? Moi, ça dépend. Ouais. Ouais, tu pouvais pardonner. Ah ouais ? Ouais. T'as pardonné ou pas toi ? Moi, c'est parce qu'il devait tester la meuf d'après son pote, genre. Mais bon, c'est jamais. D'accord.